Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ce week-end, nous sommes au plus gros festival country du Québec et du coup, j'avais envie de vous filmer ça. Je vais filmer tout le week-end. Aujourd'hui, on est au festival et demain, on va faire une randonnée dans un beau parc national. Je vous montrerai ce qu'on mange, je vous montrerai plein de choses. On est, attendez, dans une micro house. Ah, une tiny house. Donc déjà, Emeric, regardez comment c'est beau. Et moi, je dors là-bas. Voilà, moi, je dors ici. Regardez, c'est trop mignon. Il a fait son lit. Ok, on arrive. On est quatre, donc bon, c'est peut-être un peu le bazar, mais... Voilà. Salut YouTube. Ça va la commu. Regardez les bébés d'amour. Oui, 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 les bébés d'amour. On va aller manger ici, au bord du lac. Regardez comment c'est incroyable. C'est ça, le Canada. On s'est posé dans un petit café du coin là et j'ai pris un café latte à l'avoine comme d'habitude. Il est bon, ouais il est bon. Et moi j'ai pris un roulé au chocolat et je sais pas s'il y a des pécans dedans, je crois qu'il y en a un petit peu. Et franchement c'est très bon. Lui elle a pris un truc au fromage, il est énorme, regardez. Emma érable et Emeric, ça a quoi déjà? Bah comme toi. Ah c'est la même chose? Ouais c'est la même. Ah. $25. Il y a du jambon dedans. Non. Non, c'est genre ma volée. Et d'autres jus. Bah ouais. Dans le bout du nez. Oh là là. C'est hyper bon. Bon, on part explorer la nature. On va sur un point de vue, sur un belvédère. Et comme d'hab, bah, vous venez avec nous, hein. On va vous montrer tout ça. Je suis déjà essoufflée en fait. La team. La team. Non mais en fait là, elle fait une photo avec une pelleteuse. C'est un concept. Son mec est fan de pelleteuse. C'est mis en vidéo les gars. Regardez les couleurs, elles arrivent. Regardez la maison. C'est trop trop beau. On y va, on a décidé de rentrer dans la maison. Regardez la vue les gars. Oh, c'est tellement beau. On va au festival country, on est prêts. On va aller faire des courses avant d'aller au festival. On va acheter de quoi boire, de quoi manger, parce que on va pas se mentir, c'est quand même assez cher là-bas. Et regardez, ils ont mis des citrouilles. J'adore. Ok, donc là, moi je pense que je vais partir sur un wrap végé. Bon, c'est quand même $8. Et frère, c'est que 8$, mais bon, ce sera moins cher que là-bas quand même. Vous voyez, il y a plein de trucs comme ça dans les supermarchés. C'est bah, beaucoup de sandwichs quand même. Très peu de salade, très peu. De base, je voulais manger une salade, mais bon. Emma, elle part sur un big sandwich. Voilà, elle a faim. Non, mais ma tête pour... Elle a faim. Mais c'est plus gros que ta tête, même. Ouais. Alors, combien, Emeric, à peu près? Ça, tu vas la faire avec ça. Je pense qu'on est sur du... 554. 1 kilo. Ouais, un kilo. 1 kilo, 1. Oh. Un beau bébé. Lulu, tu pars sur quoi? Bras végé. Voilà les petites courses. Je mange des chips. Ils ressemblent un peu à Emeric. Ils allaient même monter à un moment. Et là, je... 45 minutes. C'est beau, Emeric. Arrêtez de me flatter en fait. Dites-lui qu'il est beau en commentaire. Non, ça va pas. Si. Elle a pas filmé ça. Évidemment. Yeah. Ah, donc là, on s'est posé au milieu de nulle part pour manger avant d'arriver au festoche. Et du coup, moi. Là, je mange un wrap tartinade de tofu. Ouais, c'est bon en vrai. Hein. C'est pas le meilleur truc que j'ai mangé en vrai, mais... Et puis, un peu de healthy life, des légumes trempettes. Hi-ha ! Tellement un gros festival que bah, les gens font du camping dans la ville, quoi. Come on ! Youhou ! On dirait trop Woody. On dirait vraiment Woody, je te jure. Can he hold us ?
lendemain du festival. Franchement, c'était trop trop bien. On est arrivé à 15h, on est reparti, il était 1h du mat. On va faire de la randonnée, c'est trop bien. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Et aujourd'hui, du coup, on est dimanche, donc fin de la location dans la tiny house. Et on va aller faire de la randonnée, on va regarder aussi pour faire du bateau, on va aller bruncher. Enfin voilà, on a plein de choses de prévues. Donc là on est posé, on est en train de chercher un restaurant pour manger parce qu'en fait c'est pas évident ici comment c'est foutu. Parfois faut descendre pour remonter parce que bah y a plein de parcs, plein de lacs, du coup tu dois contourner tout ça. On cherche actif de restaurant. On a trouvé un resto sur la route, ça s'appelle Olivia Table Gourmande. Ça me fait penser un peu aux maisons d'hôtes en France, tu sais, dans la campagne et tout. Mmh. Et ouais, c'est ça. J'ai mal aux jambes. Mais regardez, mais même les viennoiseries ont l'air incroyables, genre. Les gars, regardez où on mange, c'est une dinguerie. Je me sens dans Smallville, regardez. Je veux goûter. Et en plus, à Montréal aussi, on dit chocolatine. Mmh. C'est bon, hein. Oui. Alors, j'ai payé super cher, 27$. Mais avec les tips, compris ? Non, 31 avec les tips, wesh. Je jure, j'ai payé 30$ avec. Ah, ouais. Moi j'ai payé 33. Par contre, c'est super bon. Le latte est super bon. Ah, mais je pense que c'est la chocolatine. Je pense que ça coûte cher le muffin. Mmh. La salade, elle est bonne. Elle est fraîche. Merci. Ah, merci. Ça là, c'est pas mal. Grilled cheese oignon. Mais... Breakfast with view. Pardon. Putain, t'es en train de filmer. Moi, je fais des bails chelous. On est dans Smallville de ouf. C'est avec la grande Smallville. C'est quoi le plat de Smallville? C'est Superman. Tu te régales, Emmerich? J'ai pris une calzone, mais ça ressemble à une empanadas, mais c'est ok, avec du bœuf, pommes de terre, ça, ouf. Un latte, je peux pas le pencher parce que sinon je vais le renverser. Matcha. Latte, matcha, ce que vous voulez. Non mais regardez cette dinguerie en fait. Oh, c'est problématique de boire le matcha comme ça. C'est pour Instagram, ça va. YouTube, qu'est-ce que je rigole. C'est vrai qu'on rit, hein. Je crois que j'ai jamais autant de fou rire de ma vie, en fait. Mais on rit fort, hein. Ah ouais, on rit. Mais j'adore rire. Moi aussi, j'aime rire. Moi, je n'ai pas de pratique à ranger. Oh, putain, mec. Bon, les pupus, je reviens. Cas par caca, ce sera sur YouTube. On est arrivé au parc de la Mauricie, donc on va faire une randonnée et après peut-être qu'on va faire du canoë. Attends, Wakapuzu ? Non. Wapizagon. Wapika Zekong. Wapizagon était, il nous mangerait. N'y est pas, il nous mangera pas. Mais non. Bah, je sais pas. Possible. Mais parce que son truc il est plat, elle. Ah, mais je suis en train de me faire défoncer. Je suis pas une histoire de goûter. Ouais, non, c'est une histoire de elle. Mais c'est roux ce rustre, c'est ça. C'est une sorcière. C'est elle. La beauté. On est arrivé au lac. En vrai, on a fait une petite rando, c'était rapide. Et maintenant, on va faire du pédalo ou du canoë. On se voit, on va. Regardez où on est, je parle pas fort parce que vraiment. Oh, la vache. Mais sérieux, on dirait des poils de huile. C'est quoi ? Montre Lulu les joujoux. Non, mais c'est pas possible. Quoi ? Non, mais c'est bio, c'est fait dans une petite ferme ou à côté de Shawinigan, c'est hyper sympa, ouais. C'est des poils de huile de mouton noir. Surtout le bruit qu'il a fait en chauffant. Voilà quoi, on attend pour voir si on fait du pas. Comment ça s'appelle déjà? Ah oui, du pédalo. Mais bon, on va peut-être repartir bredouille, les amis. C'est ok, tous fatigués du week-end.
On a fait un petit stop avant de rentrer. Il est 17h. On va manger au Tim Hortons parce qu'on a faim. On a faim. Mac muffin egg avec de l'ash browns. Trop bon. Moi j'aime bien mettre du ketchup. J'ai mangé tellement mal, mais vraiment là. Et des patates. Je prends un latte avoine. T'as pas dit avoine? Ah non. Nous sommes rentrés du festival Western et franchement c'était trop sympa, avec les copains on a trop rigolé, c'était trop cool, enfin c'est une ambiance de ouf. En fait c'est un festival dans une ville, genre toute la ville est en festival, c'est ouf. Je pense que c'est un truc à faire au moins une fois dans sa vie. Après j'ai des choses importantes à dire, donc restez encore jusqu'à la fin s'il vous plaît. C'est vrai qu'on a parlé avec beaucoup de Québécois parce que c'était essentiellement beaucoup de Québécois au festival. Et en fait on a remarqué qu'ils aimaient pas trop les étrangers, notamment les Français. Genre vraiment on a eu des réflexions hostiles français, enfin on s'est pris quand même quelques remarques parce qu'on était français. Alors attention, je fais pas une généralité, je dis pas que tout le Québec c'est comme ça. Là c'est juste que bah vu que c'est un peu loin de Montréal, forcément c'est un peu plus dans les terres on va dire. Mais ouais, je pensais pas qu'ils aimaient pas autant les Français que ça en fait. Ça fait trop bizarre finalement de se prendre ce genre de réflexion. Historiquement on est reliés quoi, donc je comprends pas trop le truc, mais bon, soit. S'il y a des Québécois d'ailleurs qui regardent cette vidéo, expliquez-moi un petit peu plus, parce que voilà, moi j'avoue j'arrive pas trop à comprendre ça. Et au final on finissait par dire qu'on était belges. Alors quand on disait qu'on était belge, c'était ah oh, vous êtes belge, trop bien et tout. Donc bon, mais voilà, l'atmosphère parfois était un peu bizarre dans ce sens, mais sinon on a quand même pu passer des très bons moments, c'était vraiment trop cool, on a bien mangé, on s'est bien lâché, et comme vous avez pu voir les paysages du Québec sont juste incroyables. J'espère que cette vidéo vous a plu, on n'oublie pas de s'abonner pour la force, petit commentaire. On n'oublie pas de s'abonner, commenter, liker, comme d'habitude vous connaissez la chanson. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, je vous fais très gros bisous, je vous aime fort. Mouah, cœur.